Isabelle. Aimé. C'est toi? Isabelle, ma belle. Non, je ne suis plus ta belle, mais Isabelle. Je tiens à mon prénom. Parce que cela te sépare mieux de moi, de notre passé. Notre passé est si loin qu'il me semble inexistant. 4 ans seulement, il me semble que c'est hier. Pour moi, tu es beaucoup plus que mort. Disparu. Tu es remariée? Une fois m'a suffi, Aimé. Car c'est ton prénom à toi. Aimé. Tout un programme. Merci. Non, c'était jadis. La page est tournée, le livre fermé et même jeté. Bah, l'essentiel, c'est que ça ait existé. Oh, tu te contentes de peu. Bah, on s'imagine que c'est peu et on découvre que ça fait beaucoup. Non, tu t'y prends trop tard pour une déclaration. Tu ne me demandes pas ce que je suis devenue? Tu écris toujours, j'ai lu ton nom sur la couverture d'un roman. Ah, tu t'intéresses donc à ma personne. Je n'ai pas acheté le livre. Je suis remarié, moi. Mm-hmm. Marchons un peu. Mm-hmm. Avis, le parfum des roses de Bagatelle ne m'enivre pas au point d'oublier ce que tu étais. Et qu'est-ce que j'étais? Un animal monstrueux, tirant du sang de tous ceux qui t'approchaient. Et si j'avais changé? Tu ne peux désormais ni me troubler, ni me blesser. Je suis guérie de toi. Tu t'es offert beaucoup d'aventures pour y arriver, non? Je n'entends pas les insultes. Et je suis vaccinée contre les piqûres. Alors tu perds ton temps. D'ailleurs, je ne t'intéresse que pour ce que tu as à me dire de toi. Donc, parle-moi d'elle. Son nom? Dorothée, 25 ans. Oh, tu as compliqué ton second mariage en épousant une Anglaise plus jeune que toi de... De 15 ans. 16 ans. Mais Dorothée est française et née à Limoges. Ah, au moins est-elle solide, pratique, positive, enfin le contraire de moi. Dorothée est romanesque, éprise de poésie, férue de paysages et de sentiments embrumés. Ah, bah, elle doit avoir de toutes les couleurs dans sa brume. Elle a peur du soleil, de la clarté, de tout ce qui est violence. Auprès de toi, elle est servie. Avec volupté. Un seul point noir, la partition est trop facile à déchiffrer et je m'ennuie. Je m'ennuie. Et puis, mon œuvre ne progresse pas. Ah, voilà le grand mot lâché, ton œuvre. Grâce à mes propres expériences, combien d'hommes, combien de femmes pourront voir clair en eux? Combien de jours, combien de nuits ai-je passé en plein désarroi? Et cela pour que tu sois en mesure d'utiliser mes souffrances et de les étaler dans tes romans. Enfin, ne parlons plus de ça, va, je serai capable de te détester encore. Ce serait la preuve que tu m'aimes toujours. Isabelle. Belle. Non, je suis libre de toi. Et j'entends le demeurer. Tu ne veux pas connaître Dorothée? Ah, c'est donc ça ton prochain chapitre. Ah, tu es décourageant, Aimé. Ah, moins que, avec tout son romanesque et sa faiblesse, Dorothée ne fasse de toi sa victime. Ah, une fin de roman originale. Ce pourrait bien être le dernier. Et un roman posthume, la gloire. Chiche! J'habite avenue Fernand Greg à Passy. Nous comptons sur toi, mardi 20h30. Nous comptons. Oh, Dorothée a vraiment droit que quelqu'un vienne la défendre de toi. Entendu, elle peut compter sur moi. À mardi. Dans votre café, un morceau de sucre ou deux, madame? Aimé ne vous a pas révélé mes vices. Jamais de sucre. Ah. Et puis, cessons de nous appeler madame, ça me gêne, Dorothée. Ah, mais il y a une heure, nous ne nous connaissions pas. Vous aviez pourtant une petite idée de celle qui vous avait précédée à la mairie, non? Aimé vous aura sûrement dépeint sa première épouse au physique et au moral. Je me trompe, Aimé? Parle-moi du monde, chérie. Oh! Oh, pardon. Mais, excusez-moi, l'une et l'autre, le mot m'a échappé. Avec préméditation, tel est bien votre avis, Dorothée. Je ne sais pas. Je vois mal au-delà des mots prononcés. Oh, vous changerez. Aimé possède un instinct pour ce genre de choses. Regardez-le. Un autre à sa place cacherait sa gêne. Lui, jubile. En ce moment, il rêve de dressage en férocité, n'en doutez pas. Tu te crois dans une ménagerie, Isabelle? Il y avait de ça quand j'étais en cage. Aujourd'hui, c'est le tour de Dorothée. Êtes-vous heureuse avec lui?
Je ne me suis pas posé la question. Ah, conclusion, il a toutes les qualités. Prévenant, gentil, amoureux, charmant, passionné. Enfin, l'époux idéal, quoi. Ça te déçoit? Non, ça veut dire que tu dissimules encore ton jeu. Depuis quand, le mariage? 1 an et demi. Bravo! Et qu'est-ce que tu as publié pendant ce temps? La lune de miel, sans doute le roman que tu as remarqué dans une vitrine. Et puis j'en ai un autre en chantier. Dorothée, est-ce qu'il vous permet de lire ces manuscrits? Avec moi, il les mettait sous clé. Il m'en a lu des pages, l'évocation de nos plus belles heures. Tu es épatée, hein, Isabelle? Inquiète, plutôt. Et quel titre porte cette bluette? Le roman inachevé. Oh, tu fignoles davantage ta technique. Mais qu'y a-t-il au bout de tout cela, hein? Avez-vous lu d'autres livres de ce merveilleux époux, Dorothée? Tous. Je les ai tous lus. Je les aime tous. Ah, voilà qui est romanesque à souhait. Et intéressant pour le chirurgien. Mais... Le chirurgien, oui. Oui, oui. Celui qui opère sur la chair vive, même quand c'est inutile. Le romancier, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, l'amarante? Un de ses meilleurs romans. L'héroïne est tellement vraie. C'est moi. Vous, Isabelle? Et je n'en suis pas plus fière. Oui, c'est moi, Amarante. Moi qui ai servi de cobaye. Vous avez raison, Dorothée. Tout est vrai dans ce que vous avez lu. Tout ce que j'ai enduré. Comment allais-je réagir s'il me trompait? S'il me précipitait dans une aventure? S'il me jetait à la boue? Tout, tout, tout! Quel merveilleux époux, n'est-ce pas? Aimé, tu ne dis rien? Le livre est une réussite. Et les autres, alors? Oh, pour tous, la même technique opératoire, sans anesthésie. Ainsi, le roman inachevé... Tu l'as dit, Dorothée, notre bonheur, nos meilleurs moments. Oh, mais... Inachevé, ma petite Dorothée. Il a choisi le titre le plus cruel et le plus équivoque. Que peut-il se passer après cette fin qui n'en sera pas une? Inachevé. Ben, on considère la symphonie de Schubert comme un chef-d'œuvre. Au dépend de qui? Ah, si j'étais sûre que l'inachèvement viendra de toi, aimé. Isabelle, que voulez-vous dire? Que pour un roman réussi, ce cynique est prêt à tout. À tout? Tu as raison, Isabelle. Ne l'oubliez jamais, Dorothée. Vous croyez que j'exagère? Oh non, non. Plus simplement que vous vous trompez. Voyons, pourquoi aurait-il tenu à nous mettre en présence, vous et moi? Le divorce doit-il entraîner la haine entre les anciens époux? De là à ramener la première femme sous le toit de la seconde. Vous m'en voulez donc? Mais non, mon petit. Je vous plains. Regardez-le, qui enregistre nos moindres phrases. De nos révoltes, il fera autant de chapitres. Bon, eh ben moi j'en ai assez. Hein. Bonsoir. Vous reviendrez? À condition que ce gentilhomme ne soit pas là. Tenez, voici mon téléphone, appelez-moi. Nous choisirons un jour sans. Sans aimer, bien entendu. Aimer. Maintenant qu'Isabelle est partie, dis-moi, elle mentait. Elle cherchait à me blesser. Isabelle dédaigne le mensonge. Voilà pourquoi nos affrontements offraient tant de prix. Mais enfin, tout ce qu'elle a dit de toi, c'est faux. Ma chère Dorothée, tu devrais te persuader que je suis un écrivain, le romancier de l'authentique. Voilà comment on m'appelle et j'entends le mériter, quelle que soit la note à payer. Et va te coucher, il est tard. Et toi? Isabelle m'a comparé à un chirurgien et figure-toi, Dorothée, que je choisis toujours d'opérer à chaud. C'est chic, Isabelle, d'être venue. Puisque je vous l'avais promis, Dorothée. Évidemment, Aimé le sait. Je sais mal lui mentir. Il n'a soulevé aucune objection. Et même, je parie qu'il vous a suggéré bagatelle. En effet. Pourquoi? C'est là que nous nous sommes revus, lui et moi, l'autre jour. Il serait capable de venir nous surprendre. Oh. Mais ici, près de l'étang où Nymphéa a aucun danger, il déteste les eaux tranquilles. Depuis l'autre soir, il s'enferme dans son bureau. Tiens, 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 tiens. Nous lui avons fourni de la matière pour son roman. C'est pour ça, Isabelle, que j'ai tenu à vous parler. Tout ce que vous avez dit
et que lui-même a eu à cœur de me confirmer... La vérité est rien que la vérité. Aimé est un malade, d'un genre peu courant et qui ne relève pas de la médecine, mais un malade, pourtant. Tout ça paraît tellement abominable. Avez-vous constaté qu'il écrit ses romans toujours à la première personne? Un livre autobiographique, ça se rencontre. Le premier, oui, souvent. Mais Aimé persévère. Aussi, afin de colorer son récit, il lui faut susciter les crises, rechercher ce qui peut bouleverser l'existence. La sienne ne lui suffisant pas, tant pis pour ceux qui vivent auprès de lui. Je voudrais vous poser une question gênante. Si je l'ai aimé, oui. S'il m'a aimé, je crois. Pourquoi vous êtes-vous séparés? Parce que j'avais peur de devenir folle. Peur d'être amenée à un acte dont je ne me relèverai pas. Vous n'en croyez pas la moitié, pourtant c'est vrai. Aimé m'a contrainte à maintes aventures. Il m'a poussée à commettre des erreurs. Un jour, dans un magasin, il a voulu que je dérobe un manteau. Oh, vous étiez pauvre sans doute à l'époque. Mais non. Ce qu'il lui fallait, c'était mon expérience, ma panique, ma terreur d'être arrêtée. Qui sait même s'il n'a pas envisagé de me dénoncer à un chef de rayon. Vous avez volé. Ah, si avec ça. Enfin, c'est passé, n'y revenons pas. Et vous pensez qu'il exigera de moi... Tout ce qui pourra servir au roman en cours. Je vous dis que j'avais peur jusqu'à l'angoisse. Mais vous lui avez expliqué ensuite. Oh, il s'en moque. Quand nous nous sommes séparés, ce qu'il a vu avant toute chose, c'était un nouveau sujet. Rappelez-vous, la mauvaise cause, l'histoire d'un divorce, le nôtre. Et pourquoi aujourd'hui cherche-t-il à nous rapprocher? Mais une revanche, peut-être. J'en suis pas certaine. Vous pensez qu'il songe à... À vous écarter pour me reprendre? Oh, il faudrait que j'y consente, moi. Et j'en suis très loin, mon pauvre lapin. Dorothée, le motif profond de mon divorce, c'était un manuscrit. Celui du roman qu'il venait d'entreprendre. Devinez? Je ne vois pas. Celui d'un romancier qui voit sa femme mourir. Chez le romancier de l'Authentique, c'était plutôt inquiétant, vous ne trouvez pas? Oh, mais il ne serait tout de même pas allé... Demandez-le lui. Au moins, lisez en entier ce qu'il a déjà écrit du roman inachevé. Mais il le garde sous clé. Ah, Anne Masseran. Tenez. Oui, j'avais fait confectionner une seconde clé. Et voilà comment j'ai su ce qu'il manigançait. N'ayez aucun scrupule, allez. Et puis, après tout, hein? Si je faisais erreur. De toute façon, rien ne m'empêchera de l'aimer. Vous me jugez idiote? Non. Vous vous estimez assez forte pour éliminer le risque. Moi, j'avais choisi la fuite. C'est pas mal chez toi, Isabelle. Jadis, tu avais moins de goût. Parce que tu l'empêchais de s'épanouir. On n'est pas plus aimable. Je ne t'ai pas invité à me rendre visite. Non, tu as faim de céder à mon insistance, mais en fait, tu désirais me voir chez toi. L'adoration de Dorothée ne te vaut rien. Tu étais odieux, te voici vaniteux. Comment la trouves-tu, Dorothée? Oh, jolie, tendre, à la merci de tes pires inventions. Mais la victime, quoi. Ouf, en tout cas, un pauvre petit cobaye. Ne la fais pas trop souffrir. De la pitié, Isabelle? Oh, cela me surprend de toi. Parce que tu ne connais que nos heurts, nos conflits. Je n'ai d'ailleurs pas la moindre compassion à ton égard. Franchement, ma belle, mais oui, laisse-moi t'appeler comme je le fais quand je pense à nous. Tu étais faite pour moi. J'ai tout le contraire à t'offrir. Sans doute, au début de notre mariage, je suis tombée dans le piège, oui. Un époux jeune, intelligent, détesté par ses confrères à cause de ses succès. Mon Dieu, il y avait de quoi m'éblouir. Le moment est vite venu où l'alouette a découvert la supercherie. Qui sait? Nous pouvions réussir notre couple. C'est pour ça que tu me poussais vers d'autres. Mais tu as toujours montré un penchant pour le drame. Et puis, rien ne t'obligeait à te soumettre. Auprès d'un amoral, comment conserver un semblant d'équilibre? Alors, tu ne m'as pas obligé à te recevoir pour évoquer le passé. Et pourquoi non? Parce que tu es l'homme du présent, soucieux uniquement de l'heure que tu vis et de l'être avec qui tu te trouves. Mais précisément, j'avais envie d'être avec toi. Grand bien te fasse. Et qu'en pense Dorothée? Je lui en ai pas encore parlé. Tu ne veux pas avouer un échec?
Ma petite belle, ce ton agressif, cette volonté de m'être désagréable, de souligner tout ce qui pourrait me diminuer, ça s'appelle comment ? Mon petit aimé, tu n'as donc pas assez de raconter des histoires aux autres. Il faut maintenant que tu t'en racontes à toi-même. Ton talent d'écrivain est-il en baisse ? Et tes tirages en même temps ? Ou bien Dorothée serait-elle trop fade ? Sans aucune de ces fureurs que tu transcris si bien ensuite dans tes romans. J'aimerais que tu lises le texte du roman inachevé. J'en crois pas un mot. Le manuscrit est dans ma serviette. Qu'est-ce que tu combines encore, mon bonhomme ? Je voudrais que tu me dises si Dorothée est favorable à mon œuvre. Mm-hmm. Mais toi, tu me connais. Tes accusations me le prouveraient si je m'étais fixé depuis longtemps. Alors lis, compare avec ce que tu sais de moi, de Dorothée et de ce que nous étions, toi et moi. Oui. Tu en as assez de ta femme. Peut-être. Depuis quand ? C'était inconscient, mais depuis que je t'ai revue, la comparaison est à son désavantage. Attention. Quoi qu'il arrive, je ne t'accorderai rien. Mais tu as dit tout à l'heure que je ne songe jamais au lendemain. Rien qu'à l'heure présente. Une heure qui est un succès, constate-le. Une heure qui n'aura aucune suite ne te berce pas d'illusions. Mais lis mon manuscrit. J'y ai beaucoup travaillé ces derniers jours et même... ces dernières nuits. Si je devenais libre, ma belle. Tu aurais de l'imagination, toi. Oh, j'en crois pas un mot. On ne sera donc jamais tranquille. Monsieur ! Monsieur ! Fichez-moi la paix ! Oh, mais monsieur, c'est... Non ! Monsieur, c'est madame ! Oh ! Oh, monsieur, j'ai peur. Mais je vous ai dit non ! Ce qui signifie défense d'entrée. J'ai une fière envie de vous expédier par la fenêtre, Marie-Céleste. Enfin, vous connaissez pourtant la consigne, ne pas me déranger quand je travaille. Ni téléphone, ni visite, ni personne. Allez, oust, disparaissez. Oh, mais monsieur, c'est madame. Madame ou non, je vous prie de déguerpir. C'est tout de même un comble. Mais bon sang, Marie-Céleste, y aurait-il le feu ? On ne doit pas me troubler quand je suis en pleine création. Mon meilleur chapitre, j'en suis sûr. Oh, je tenais la clé du personnage. Et voilà que vous venez me parler de Dieu sait quoi. C'est madame, monsieur. Bon, c'est madame. Mais qu'est-ce qu'elle veut, madame ? D'abord, elle ne pouvait pas venir me le dire elle-même. Mais elle est couchée, monsieur. Elle est malade. Mais non, elle n'est pas malade. Elle joue à la malade, à la jolie femme qui a des vapeurs. Mais c'est d'une autre époque, ça, Marie-Céleste. On n'a plus de vapeurs aujourd'hui, on n'a pas le temps. Je crois bien qu'elle est morte, monsieur. Ah, manquait plus que ça. Eh bien, vous, ma pauvre fille, on ne vous a pas raté à la distribution. Bon, madame est morte. Madame se meurt. Allons lui demander ce qu'elle veut pour le déjeuner. Ah, encore une journée de fichu. Qui sait quand je retrouverai l'idée que je tenais, si même je la retrouve jamais. Allez, allez, Marie-Céleste, passez devant. Oh. J'ose pas, monsieur. Elle me fait peur. Encore une nouvelle trouvaille. Elle parle pas. Alors, Dorothée, qu'est-ce que tu as inventé ce matin ? Monsieur, elle répond pas. Mais oui, on dirait... Bon, si c'est ça, le voilà bien, le roman inachevé. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur ? On fait... Mais est-ce que je sais ce qu'on fait, moi ? Téléphonez toujours au docteur, il aura une idée, lui. Oh, j'ose pas, monsieur. Et puis, je crois que je vais tomber dans les pommes. Excellente solution, restez-y. Allô ? Allô, docteur ? Aimé Pascal à l'appareil. Bonjour, docteur. Oui, très bien. Non, mais pouvez-vous venir ? Non, je ne sais pas trop ce qui est arrivé cette nuit à ma femme. Un malaise inexplicable. Oui, merci, docteur. Le mari est arrivé, patron.
Dans quel état est-il? Ben, c'est pas facile à déterminer. On dirait qu'il a de la peine, mais en même temps, il y a comme un arrière-plan de satisfaction. Tenez, patron, imaginez un gars qui joue à la roulette. Il ponte sur le 23, tout en se répétant comme une cloche, c'est le 17 qui va sortir. Si justement le 17 sort, voilà mon gars embêté parce qu'il a perdu sa mise. Mais en même temps, il est ravi de constater qu'il avait raison au fond de lui-même. Mmh. Ah ben, ça ne nous annonce pas un personnage très simple, hein, ton raisonnement. Ah, j'ai pas mieux à vous offrir pour loger le bonhomme. Mmh. Il ne t'a fait aucune confidence? Zéro. Dites, patron, le rapport du légiste. Bah, tout ce qu'il y a de positif, comme on le supposait. Enfin, cela ne résout qu'un côté du problème. Appelle-moi le type. Oui. Et toi, installe-toi dans un coin. Muet, s'il te plaît, Vargas. Comptez sur moi, patron. Par ici, monsieur Pascal. Commissaire. Monsieur. Est-ce l'habitude de convoquer au quai des Orfèvres un homme dont la femme vient de mourir? Avouez qu'il y a de quoi s'indigner. Le cas échéant, le temps des excuses viendra, monsieur. Bon, notez que je proteste pour la forme. Si ce n'était les circonstances, j'apprécierais l'intérêt de votre appel. Un nouveau milieu, une situation peu courante, ça a valeur de document. Rien de tel que de saisir les choses sur le vif pour en pénétrer le secret. Oui, vous a-t-on dit que j'écris? Oui, oui. Ah. Vous êtes aimé, Pascal, le romancier. Pardonnez à un policier trop absorbé de n'avoir lu aucune de vos œuvres. Quel genre? Le problème du couple, tout ce qui oppose l'homme et la femme. Ah, tout ce qui les rapproche aussi. Mais c'est plus rare. Mais vous ne m'avez pas convoqué pour que nous parlions littérature, je suppose. Oui, en effet, monsieur. J'ai reçu le rapport du médecin légiste. Votre femme a succombé à un empoisonnement. Selon toute probabilité, un barbiturique à forte dose. Croyez-vous me révéler quelque chose? Depuis quelque temps, la santé morale de Dorothée allait déclinant. Les soins n'y faisaient rien, c'était comme si elle refusait l'existence. Admettons-le un instant. N'étiez-vous pour rien dans ce refus? Ah, mais je l'aurais négligé, voulez-vous dire. Sachez-le, mon œuvre passe avant tout. Un comportement assez féroce, vous ne trouvez pas? Vous ignorez les luttes de l'écrivain. Je ne parle ni du style, ni de la composition, mais de la lutte obscure qu'il doit mener contre des personnages qui lui échappent. Si je vous comprends bien, vous vous attendiez à la mort de votre femme. Oui, et dans l'incapacité d'agir. Mais j'étais trop absorbé, je vous répète, pour m'attarder à percer le secret de Dorothée. Et votre chagrin paraît assez mitigé. Comme si vous étiez satisfait d'avoir correctement prévu l'événement. Ah, je vous admire, commissaire. Vous pénétrez dans cet événement dont vous ne connaissez que l'aspect sordide. Vous découvrez des gens qui vous étaient hier inconnus et vous voilà en mesure d'analyser, de déduire, de conclure. Mais parlons de cet aspect sordide. Comment la chose s'est-elle produite? Est-ce que je sais, moi? Je travaillais depuis 3 jours, 3 jours et 3 nuits, toutes portes fermées, isolées du monde, livrées à mon seul roman. Le matin, il était... Oh, demandez-le à Marie-Céleste, la bonne, elle vous fixera. Elle a frappé, elle a insisté, détruisant le climat, m'arrachant à la phrase que j'étais en train de ciseler, malgré toutes les consignes. Bon, et il paraît que Dorothée était malade. Bien. Je me suis donc dérangé, à regret, ah oui, je le confesse. D'ailleurs, à quoi bon me déranger, puisque de toute façon, il était trop tard. Mmh. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Vargas? Dans le genre égoïsme féroce, difficile de faire mieux. Mais pardonnez-moi, mais vous raisonnez comme des carafes. Il nous arrive d'être lucides. Revenons à ces 3 journées. Vous n'auriez donc pas vu votre femme durant ce temps? Vous ne lui auriez pas parlé? Si, au moment des repas, 10 minutes, 1/4 d'heure, chaque fois, pas davantage. Comment était-elle? Anxieuse? Instable? Normale, comme tous les jours. En tout cas, elle ne s'est pas plainte. Enfin, pas plus que d'habitude. Tu me laisses seul, je me sens triste, inutile. Oui, Dorothée était destinée à cette fin qu'elle s'est choisie. Ah, oui, parce que c'est un suicide. À vous de me le dire, commissaire. Dois-je vous accuser de sa mort? On porte toujours plus ou moins une part de responsabilité. Une femme refuse de vivre. Qui est responsable, sinon le plus proche, le mari? Voilà un raisonnement, monsieur Pascal, qui risque de vous mener aux assises. Mais j'en conviens.
Et vous ne pouvez me fournir aucune explication un peu plus, enfin disons, acceptable? Vous vous enfermez 3 jours et votre femme en profite pour s'empoisonner. Et les nuits? Mais quand cette fièvre me secoue, nous faisons chambre à pain. Et la bonne? Une gourde. Si elle est pour quelque chose, alors c'est parce qu'elle se sera trompée de dose en donnant un médicament à Dorothée, mais je ne crois pas. Non. Personne du dehors? Oh, qui Dorothée aurait-elle gêné? Mais en somme, monsieur Pascal, vous vous accusez. Ben non, je me borne à vous répondre. Bon. Alors, que répondez-vous à la question que voici? Reconnaissez-vous avoir empoisonné votre femme? Je me suis laissé dire que les empoisonneurs n'avouent jamais. Oui, mais en effet, dans la plupart des cas. Votre femme vous aimait? À la folie, si je peux employer ce mot. Une femme jeune, romanesque, exaltée. Et vous? Vous l'aimiez? Oui, même si cela peut vous étonner, oui, oui, je l'aimais. Conclusion, vous me demandez de découvrir le coupable. Faites votre devoir, si vous estimez en avoir un. Nous formions un couple uni, à mes yeux du moins. Nous étions mariés depuis près de 2 ans et d'autre part, mon travail accapare ma vie. Dorothée meurt empoisonnée. Qui est coupable? Elle, c'est un suicide. Ou moi, c'est un assassinat. À vous de jouer, commissaire. À votre aise. Je joue. Suicide, pourquoi? Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'une petite bonne femme, amenée d'un coin perdu et précipitée dans l'atmosphère déconcertante d'un romancier. Tous ces personnages qui m'entourent, qui vont et qui viennent, qui ont une présence envahissante. Il y avait là de quoi la troubler. Jusqu'à l'empoisonner? Mais pourquoi non? La police ne croit pas aux fantômes. En tout cas, pas à ceux qui versent le poison. Ils conduisent au suicide, ce qui revient au même. Satisfait, commissaire? Seconde hypothèse. Vous. Moi. Quels seraient vos motifs? On dit qu'il y en a 3. Argent, amour ou démence. L'argent, Dorothée n'avait pas un sou en propre. L'amour, je n'ai pas de maîtresse. La démence, alors là, vous répondrez mieux que moi. Je vous demanderai de ne pas quitter Paris, monsieur Pascal. Nous nous reverrons très vite. J'en serais ravi. Cette première rencontre a été pleine d'enseignements. Au revoir, commissaire. Alors, Vargas, ton opinion maintenant? Le gars se fiche de nous, patron. Maman, au feu qu'il n'est pas blanc. Comment a-t-il opéré? C'est à voir. D'ailleurs, la femme ne devait pas être très difficile à manipuler. En tout cas, sa technique crève les yeux. Il ne nie rien, il accepte tout, les jurés tombent dans le panneau, le prennent pour un dingue et enlever, poser. Hop, c'est l'acquittement. Pourquoi aurait-il supprimé sa femme? Tranquille, je vais chercher. Tout ce qu'il raconte sur la dame, ça sent le faisandé. Il y a une fille là-dessous, croyez-moi. Mais ce n'est pas impossible. Et si sa Dorothée l'avait appris, ça pourrait justifier le suicide. La gamine, éblouie par le grand homme qui lui découvre une aventure, elle perd les pédales, s'exagère la chose et s'empoisonne. Oui, même je le crois capable de tout avoir dit à sa femme. Un suicide téléguidé, quoi. Ce type m'en révolte. Ça a peut-être été le cas pour sa femme. Alors elle a choisi la sortie en s'arrangeant pour que les soupçons tombent droit sur lui. Suicide ou pas, ça me plairait de le coincer. Et j'ai une arme secrète. La bonne. La gourde? Justement. Les gourdes, ça cause. Mais oui, pas de chansonnette surtout. Hein? Je serai d'une douceur exquise, patron. Bonjour, monsieur. Monsieur l'inspecteur. Assieds-toi. Je sais rien. Moi, je sais. Mais je préfère que tu racontes. Puisque je sais rien. À ton aise. Qui a découvert ta patronne assassinée? Comment j'aurais su qu'elle était assassinée? Qui? Moi. Où était ton patron? Dans son bureau. Il travaillait. Et pour le savoir, il fallait que tu lui aies rendu visite. Vous avez peut-être tout combiné ensemble, non? Je comprends pas puisqu'il travaillait. Admettons. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Fichez-moi la paix.
Ah, tu le prends sur ce ton? Si je t'envoyais réfléchir en cabane. Réponds. Qu'est-ce que t'a dit Monsieur Pascal quand tu lui as appris qu'il était débarrassé de sa femme? Ben, il m'a dit, fichez-moi la paix. Charmante nature. Il a tout de même consenti à se déranger. Ben, fallait bien. Madame bougeait plus. Si tu ne le sais pas, je te l'apprends. On l'a empoisonné. Qui? C'est pas moi. Qui habite l'appartement en dehors des patrons et de toi? Personne. Quelqu'un était venu la veille? C'était mon jour. Demandez à monsieur. Il n'y a que lui qui peut savoir. Où couches-tu? Dans l'appartement? Non, j'ai ma chambre au 7e. À quelle heure es-tu rentrée? Après le cinéma, il y avait un film. Oh, j'ai pas compris, mais c'était beau. Ça se passait dans un pays avec des montagnes rouges et des chevaux noirs. Je m'en moque. Qu'est-ce que tu penses de monsieur Pascal? Ça, il est pas comme tout le monde. Quand il s'enferme comme ça, je l'entends qu'il marche dans son bureau, qu'il parle tout seul. Mmh. Et quand il en sort, il a des yeux comme s'il voyait des choses qu'on sait pas comment dire. Et madame? Elle était gentille, mais elle était triste. Surtout depuis quelque temps. Un jour, elle m'a dit, Marie-Céleste, tu penses à la mort quelquefois? Bon, c'est pas des questions à faire. Hein. Elle n'aurait pas eu quelqu'un, un ami? Un amant, quoi. Ben pourquoi? Puisqu'elle aimait monsieur. Et lui? Il n'a pas quelqu'un en dehors? Ah, les hommes, ça court pire que les rats. Si madame Pascal a découvert quelque chose, aurait-elle été capable de se tuer? Allez savoir. En tout cas, elle parlait de la mort. Ouais. Patron, le type est coupable. S'il ne l'a pas empoisonné effectivement, il a mené sa femme au suicide. Comment le prouver? Et même si on y arrive, comment l'expédier aux assises? Au mieux, la correctionnelle, pour non-assistance. Alors, on ne fait rien? Si. Une visite. D'ici là, procure-moi tous ces romans. Vous lui offrez les droits d'auteur? Pourquoi pas une dédicace? Excellente idée, Vargas. Franchement, Isabelle, je ne me suis jamais autant amusée. Si c'est pour m'annoncer ça que tu es venue, tu peux repartir. Mauvaise tête, va. Tu voudrais que je sanglote, que je me torde les bras de douleur? Il n'y a pas 15 jours, Dorothée vivait. Mais je hais les sentiments de confection. Puis comme si tu n'avais pas été tout de suite fixée après que nous nous sommes revus, toi et moi. En effet, tu souhaitais nous replonger dans notre enfer. C'est l'atmosphère dont j'ai besoin pour écrire, pour que mes romans dégagent le parfum de soufre désiré par mes lecteurs. Ma parole, tu te prends pour Satan en personne. Mon pauvre aimé. Tu as donc regretté ton mariage avec Dorothée, au point de... Au point de quoi? Oh, tu m'as comprise. Mais ces messieurs du Quai des Orfèvres sont plus discrets dans leurs soupçons. Parce que tu n'as rien négligé pour les égarer. Cela prouve ma supériorité. Isabelle. Quand? Jamais, tu le sais. Mais pourquoi t'obstiner? Tu finiras par capituler. Pour souffrir, comme autrefois. Et aussi pour me dire à chaque coup de sonnette, cette fois ils viennent l'arrêter. Isabelle, je ne suis pour rien dans la mort de Dorothée. Il suffirait de lire le roman inachevé pour être sûr du contraire. Mais j'ai communiqué le manuscrit au commissaire. Tu as osé? Je n'ai rien à craindre. Non seulement il m'a restitué le manuscrit, mais encore il m'a demandé une dédicace sur un livre. Et j'ai choisi Amarante. Ça ne te flatte pas? Ça prouve que cet idiot de commissaire n'a rien compris. Mais il aura 10 ans pour comprendre. C'est le temps de la prescription. Tu es ignoble, va-t'en! À bientôt, Isabelle. Allô? Allô, je voudrais parler au commissaire Nessuno. Merci d'être venue, madame. Avant tout, une précision, monsieur le commissaire. Je suis divorcée.
Mon mari s'appelait Aimé Pascal. Ce divorce ne nous était pas inconnu. Je serais certainement venu vous rendre visite. Les souvenirs d'un premier mariage éclairent souvent l'échec du second. Merci de m'avoir devancé. Serait-ce pour une revanche ? Non, je suis assez libérée pour ne pas me soucier de revanche. Mais j'ai vu Dorothée naufragée. Et je n'ai pas réussi à la sauver. Je me sens une part de responsabilité. Ah, vous connaissiez donc la seconde, Madame Pascal ? Non, non, fausse route, monsieur le commissaire. Dorothée n'a pas été la cause de mon divorce. Et je n'avais plus revu Aimé. Non, c'est le hasard qui nous a remis en présence. Et mon ex-mari a tenu à me présenter ma remplaçante. Oui, c'est un homme étrange. On a peine à situer les motifs qui le font agir. Je l'avais quitté parce qu'il me conduisait vers la tombe. Il ne vous aimait pas. À sa façon, il m'adorait. Mais il voulait découvrir ses sentiments en face de la mort. Il se croit tenu à délivrer un message dans ses livres et pour cela à n'écrire que ce qu'il a ressenti personnellement. Une forme de psychose. Oui, qui mène à des actes regrettables d'abord, et ensuite à l'asile où il rédigera tout à son aise les souvenirs de son crime. Ah, vous l'accusez ? Oh, vous voulez une preuve ? Sachez qu'il y a chez Aimé le désir d'afficher son existence. Lisez ses romans si vous tenez à connaître le véritable Aimé Pascal. Je les ai lus, y compris le manuscrit du dernier. Le roman inachevé. Comment déterminer avec certitude le moment où le récit se terminera, puisqu'il doit demeurer inachevé? La mort de Dorothée y est pourtant annoncée, prévue. Ah, il vous a montré le manuscrit? Sauf les dernières pages, bien entendu. Celles où il a dû dépeindre son crime. Que M. Pascal tienne à épater ses lecteurs, même à les épouvanter, soit. Enfin, pas au point de commettre un assassinat. Et vous semblez convaincu de son innocence, monsieur le commissaire. Je cherche. Je songe à l'état d'esprit de Madame Pascal. Ainsi, vous croyez au suicide de Dorothée? Mais si c'était cela, il l'aurait provoqué, encouragé par son attitude. Une attitude ne constitue pas l'acte criminel, au sens légal du mot. Les dernières pages du roman inachevé décrivent un état d'âme, non un assassinat. Il a tué Dorothée. Une femme jolie et plus jeune de 15 ans, pour quel motif? Aimé m'a offert de se remarier avec moi, hier encore. Il est pressé, je le reconnais. Avant déjà, il me l'avait proposé, du vivant de Dorothée. Voilà qui devient plus intéressant. Le moment me paraît venu d'une nouvelle conversation avec M. Pascal. Monsieur le commissaire. Je vous fais peur, Marie-Cédès? Ben oui, un peu. Faut pas. Votre patron est à la maison? Il travaille. Ça va encore faire vilain. Non, non, ne vous pressez pas de le déranger. Dites-moi plutôt, oui. Marie-Cédès, vous connaissez la première, Madame Pascal? Ah non. Isabelle, c'est son nom. Ah bon? Il y a une Madame Isabelle qui venait ici, oui, ah. Oui. Madame l'aimait bien. Ah, elles restaient ensemble? Même si monsieur n'était pas là? Ben, des fois. Et madame était contente. Ah, et que se disait-elle? Oh, j'écoute jamais. À quoi bon? Je comprends rien. Et puis, elle parlait en bas. Eh bien, allez avertir monsieur Pascal de ma visite. Ah, bien. Votre ami, l'inspecteur Vargas, me suit. Alors, vous l'installerez ici dans le vestibule. Compris? Oui, monsieur. Je vais prévenir monsieur. Oui, c'est ça. Ah, commissaire, il faut que ce soit pour vous. Abandonnez le chapitre en train. Un nouveau roman, monsieur Pascal? Grâce à vous. Nos rencontres ont été profitables. Impossible de perdre l'occasion. J'espère que vous venez enrichir ma récolte. En tout cas, j'aurai un titre à vous proposer. Ah, c'est souvent le plus difficile à trouver. Quel titre? Isabelle. Un simple prénom féminin. Magnifique. Dans le roman inachevé, Isabelle porte un autre nom. Oui, même si je m'inspire de la vérité, je transpose toujours un peu. Vous comptez vous remarier avec votre première femme, n'est-ce pas?
Oui, si elle y consent. Cela donne beaucoup à penser. Vous ne croyez pas? Je n'ai pas d'imagination. Vous en avez beaucoup, au contraire. Mais c'est pour manipuler des êtres humains et faire d'eux des personnages de romans. Vous seriez capable d'avoir amené votre femme à se tuer pour dépeindre son suicide? Cela relève-t-il des définitions criminelles? Hélas, non. Tant pis. N'est-ce pas? L'arrestation, la détention, les assises. Quelle expérience à connaître. Et si je n'étais pas acquitté, la dernière cigarette, quel roman. Une question. En communiquant à Isabelle le manuscrit du roman inachevé, vous espériez qu'elle le ferait lire à Dorothée? Oui ou non? Oui. À la suite de cette lecture, quelle a été l'attitude de Dorothée? Anxieuse et mélancolique, dirais-je. Reportez-vous à mon manuscrit. Vous pouviez la rassurer. Oh, pourquoi intervenir? Eh oui. Oui, vous attendiez. Bon, vous partez déjà? Non, non. Moi aussi, j'attendais quelqu'un. Entre, Vargas. Monsieur. Vous également, madame. Votre présence devient indispensable. Isabelle, l'heureuse surprise. Ça me fait plaisir, tu sais. Moi, pas, je ne tenais pas à te revoir, mais l'inspecteur a insisté. Et j'avais besoin de vous, madame. Quelques détails à mettre au point avec monsieur Pascal. Des détails essentiels. Une confrontation, en quelque sorte. Mais tu n'as donc pas compris. C'est moi le criminel, c'est moi qui aurais poussé Dorothée au suicide. D'ici que l'on te soupçonne de complicité, ma pauvre Isabelle. Mais n'allons pas si vite. Madame, vous avez divorcé d'avec monsieur Pascal parce que... Parce que je craignais pour ma vie, je vous l'ai dit. Monsieur Pascal, si madame que voici ne vous avait pas quitté, l'auriez-vous exécuté, enfin comment dire, à titre expérimental? La question restera sans réponse. Je m'en doutais. 4 ans plus tard, vous revoyez madame. Excellente péripétie romanesque, le retour passionnel. Ma faiblesse a été de l'écouter et de leur rendre visite. Cette intimité avec Dorothée, j'étais folle. Mais il possède le génie de contraindre les êtres à des actes que l'on regrette toute sa vie. En somme, pour que Dorothée connaisse vraiment ce qu'il est, il vous a utilisé. Oui. La complice, commissaire, la complice. Taisez-vous. Et vous, madame, quelles ont été les réactions de Dorothée? Oh, elle ne m'a pas cru. Je connais Aimé, m'a-t-elle dit. Il se raconte des histoires et ensuite il les raconte aux autres. Mais il ne fait rien pour que ses inventions passent dans la réalité. Ainsi, monsieur Pascal, vous n'avez jamais créé l'événement. Vous vous bornez à regarder, à attendre, et vous êtes incapable d'un crime. Incapable même d'avoir poussé votre femme au suicide. Un mythomane, voilà ce que vous êtes. Rien de cette espèce de danger public que vous cherchez à paraître. Et là, vous me diminuez. Je donne son vrai rôle à celle qui vous animait. Celle qui vous fournissait des sujets. Vous êtes un fantoche, mon cher maître. Non, mais dites... Et celle qui tirait les ficelles du pantin, c'est elle, Isabelle. Mais voilà bien pourquoi je voulais la reprendre. Voilà pourquoi elle a empoisonné Dorothée. Quoi? Empoisonné, vraiment. De la sorte, elle retrouvait sa place. Elle redonnait à vos romans les couleurs vénéneuses qui lui plaisent. Et c'est pour ça que je refuse le remariage. Non, trop banal, un remariage. Il vous faut des violences, des fuites, des coups de cravache. Il vous fallait non seulement reprendre l'homme, mais le réduire, l'écraser, faire qu'il soit accusé, condamné peut-être. Il vous fallait vous venger de vous-même. Si vous l'avez fui il y a 4 ans, ce n'est pas parce que vous aviez peur de lui. C'est de vous que vous aviez peur, de toute cette fièvre de destruction qui risquait de vous emporter trop loin. Très beau sujet de roman. Prends des notes, Aimé. En effet, vous n'avouerez pas. Vous êtes capable de tout, madame, sauf d'avouer. Avouer, ce serait vous soumettre, ce serait capituler. Avouer, ce serait reconnaître la jalousie banale qui vous a envahi en face de Dorothée. Car ils s'entendaient, ces deux êtres. Il avait beau se plaindre d'elle, Dorothée l'aurait finalement conquis par sa douceur. Vous n'avouerez pas, jusqu'à la dernière page, vous n'avouerez pas que vous aviez définitivement perdu. C'est ce qui vous trompe, monsieur le commissaire. J'avoue. Isabelle.
Allons donc, monsieur Pascal. Elle nous joue la comédie. Non. Non, vous avez gagné. Tout ce que tu viens d'entendre est mais tout. Tout est la stricte vérité. Je suis coupable de tout. Y compris l'empoisonnement de Dorothée. Oui, une de ces drogues changées, ça a été très facile. Vous m'avez prise en traître, monsieur le commissaire. Mais je vous pardonne. Pour la beauté de votre ruse. Oui. Oui, je vous pardonne. Sauf ceci. Songez à toutes les œuvres qu'Aimé Pascal sera désormais dans l'impossibilité d'écrire par votre faute. Vous négligez la détention criminelle à laquelle vous serez condamné. Une expérience captivante. Vous aurez tout loisir d'en tirer des éléments pour les prochaines histoires de ce monsieur. J'ai même un titre à vous proposer. Mes prisons. Il a déjà servi, commissaire.